Au Babylou, le choix d'une éducation non stéréotypée, c'est favoriser l'idée de l'inclusion au sens large du terme et ainsi de lutter contre les inégalités dès le plus jeune âge. Babylou fait partie de la Babylou Family qui est présente dans 12 pays dans le monde. Or, les représentations de la société diffèrent d'un pays à un autre. Cette ouverture à l'international nous permet de voir, d'entendre des idées, des opinions ou bien des façons de réfléchir et des façons de faire différentes, bien loin des stéréotypes. Cette ouverture à l'autre et à la différence nous amène aussi à réfléchir à la responsabilité que nous avons, nous, en tant que professionnels petite enfance, auprès des jeunes enfants que nous accueillons. Cette responsabilité, c'est celle de lever les étiquettes dès le plus jeune âge. Notre objectif premier chez Babylou est de favoriser l'épanouissement de chaque enfant accueilli au sein de nos crèches, au travers de la liberté d'expression, de la liberté de choix, et également de la liberté d'expérimentation. Pour les équipes, travailler à la notion de non-stéréotype, c'est faire en sorte que les enfants évoluent dans un contexte qui soit empreint d'acceptation, de tolérance et de bienveillance. Pour nous, le non-stéréotype, ce n'est pas uniquement de parler de l'égalité filles-garçons. Ça va bien au-delà. C'est l'inclusion du handicap, c'est la mixité sociale au travers de nos professionnels petite enfance, mais aussi des enfants et des familles accueillies qui vont parler des langues différentes, qui sont issues de cultures différentes. Toute cette différence est pour nous une richesse. On parle plus de richesse, d'atouts, de petits plus et de talents que de différence à proprement parler. Nous avons décidé de mettre plusieurs actions en place et de travailler notre amélioration continue sur le sujet. Nous avons sollicité Talent Haut, une maison d'édition et notamment leur collection Badaboom, pour travailler ensemble à sensibiliser les enfants et les familles à ce sujet, mais aussi former nos professionnels aux non-stéréotypes. Talent Haut est une maison d'édition indépendante créée en 2005 dont la spécialité est la lutte contre les stéréotypes de tous ordres et notamment sexistes. Alors un stéréotype, c'est une idée reçue, un cliché, c'est une image qu'on a intériorisée. Les tout-petits intègrent les idées reçues et les clichés dès le plus jeune âge en lisant des histoires, en regardant des images. Il est donc important que les livres que nous publions dans une collection pour les tout-petits soient sans stéréotypes. Dans la collection Badaboom, nous avons déjà publié 4 titres, Chat, Les Animaux, Rock'n'Roll et Ma Poupée. Et 6 nouveaux titres sont à paraître en 2022.